on décale. Voilà, dans le TER. Wow. Savines-le-Lac. Oh, voilà. Ça, bah voilà, l'argent tire les écrins. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le bus. Ça va droner, là. Ouais, et direction Elfroide, hein. Hop, on arrive dans le début des écrins là. On attend le bus, on prend une photo de la montagne là-bas. Petite couche de neige. Bon, on est encore dans le bus, là-bas il y a le pelvoir. 3924 mètres je crois. Ouais, on voit bien là, très haut. Allez hop, arrivé à Elfroide, là où le pelvoir. Ouh, wouhou. Bah il y a Elfroide, le camping. Et là, on va monter au glacier. On va dormir. Allez, sur le départ, on y va. Madame Carl, à peu près 1500-1600 mètres. Ouais. Et voilà, on est entre le Pelvoux et la barre des écrins tout au fond. Mm. Et du coup, pas mal de neige, bien humide. Mais c'est parti, hein. Là-haut, c'est dans la brume. Et les glaciers, on le voit toujours pas. Hein. Plus loin, là-bas. Ah, c'est beau. Fais la pause. La vue qu'on a. Voilà, au cœur des écrins. On a mis les bâches parce qu'il y a un petit peu de la pluie là, une pluie fine. Donc pour pas trop que le sac soit mouillé. Hop, près de Madame Carl, là-bas il y a le glacier blanc. On va aller s'équiper, mettre le pantalon et tout pour la neige parce que là-haut il y a de la neige. Énorme. Ouais. Un pantalon, peut-être la veste, on verra. Élégant. Allez. La puissance de la crue. Fou. Ouais, hier je pense sûrement. Le panneau est plié. Il y a plus de route, la route s'arrête. Paysage. Bah oui, du bizarre. Le voilà. Pays des extrêmes. Wouhou. Bon. Là, parce qu'il y a le pont là-haut plus loin qui s'est effondré, on est allé voir. Donc là pour l'instant on va passer la nuit à côté du refuge, enfin on pense, et on va partir demain. Ça va faire remuer. Ouais. Parce que là-haut il neige, cette nuit il va neiger là au-dessus de 2000 partout. Donc bon. Tu vois, il y a d'autres merveilles. Petit chocolat chaud. Ouais. Bon, on attend un peu, on fait le plan. Je pense qu'on va dormir pas loin là. Ah, ouais. On partira demain. Bon, on vient de sortir de refuge. On vient de trouver un spot pour la nuit. On va se mettre là avec la vue là-bas. Voilà, montage de la tente terminé.
Reste plus qu'à installer les matelas, les duvets et tout. Là-haut. Par contre, il y a du vent. Mais d'avoir 70 km au moins, 80. Wow. Allez hop, matelas. Hop, on va tout préparer. Le duvet. Hop là. Voilà les duvets pour résister au froid. Tout mis, les matelas. On a une de ces vues là. Ouh. Ah, je pense qu'on me voit. Oh. Voilà. Hop. On va bien dormir. Hein. J'espère. Ouais. Le vent là, glacial. Regarde-moi ça. Wow. Petite pas villa beau. Avec vue sur glacier. Pas beau ça? Bon, là on a notre petite station pour recharge de la batterie, panneau solaire, thermomètre, 7 degrés 6, ça va. Photo. Ok, avec la tente. Voilà, c'est parfait. Pour les crevasses. Pour les pics là-haut. Voilà, on fait un petit test. Le vent, il y a zéro vent qui passe, c'est bien. On est au chaud. Hop. C'est parfait. Hop, on va se faire les pattes. Hey, hey. Avec cette vue quand même. Attends que ça boue. Les pattes, on a mis un petit bouillon. Hop là. Pour éviter du boulot. Et voilà. La nuit commence à tomber, on a fini les pattes, on va les goûter. Et voilà. On va bientôt se coucher. Il est 21h15, on va se coucher. On a mangé, c'est tout bon. Allez, à demain. Hop, on est en train de tout ranger, là, on va partir. Cette nuit, là, il y a eu du vent super fort. Réveillé toutes les deux secondes, on a l'impression que ça a duré 4 jours, la nuit. Hop, voilà, on tout rangé. Maintenant, on va voir un avion ce matin. Ouh. Il a reneigé là-bas. Ah, il neige encore, hein. Non, sans s'arrêter là, bientôt, l'après-midi. Vers midi. Mais là ça suffit hein. Ah. Bon, un peu plus. Hop, on va chercher de l'eau, jeter la petite poubelle au refuge qui est pas très loin. Voilà. Énorme. Oh là elle est blanche. Fais voir. Wesh. C'est quoi ce délire? Je pense que c'est l'altitude non? L'altitude ouais. Du lait. Allez, départ! Ouais! Wow. Let's go! C'est parti! Voilà, à cause de la crue, le pont détruit. Donc, on va devoir trouver un moyen de contourner là-bas. C'est le caillou. Le chemin, bah, il n'y a plus de chemin, c'est devenu une rivière. C'est le caillou, là, défoncé. Et là, la barre. 1 km 300 de falaise. Le Pelvoux. Voilà. Glacier noir tout au fond. Ouais. On voit une sorte de mini falaise de glace. Ça c'est le glacier noir, du coup on l'appelle comme ça parce qu'il y a plein de roches dessus qui recouvrent le glacier, du coup bah voilà c'était noir. On a mis les masques. Parce que là, ça commence à être vraiment froid, là, et de l'air glacé. On va continuer sur le chemin. Ouais. Là-bas, le refuge du glacier blanc. Il y a les glaciers. Oh, qui voilà. Petite marmotte. Oh non, elle part. Elle est sous le buisson. Bon. Là, il y a le Pelvoux là. Le glacier. Voilà.
de neige. Ouh, oh, le Pelvoux. De fou. On y est. Enfin, on n'a pas fini la journée. Hop. On se pose au refuge. C'est frais ici. Hein. Mmh. Ça suffit ça en eau? Bon, ouais, pas peur. On vient de se faire nos nouilles. Là-bas, il y a la soupe qui cuit de l'autre côté. Et voilà, la soupe prête. Mmh. Mais bonne, regarde, hein. Voilà, refuge là-bas, on part. Direction l'eau maintenant. Ça, hein. Ouais, big. Fait quelques photos du glacier. Enfin, elle fait. Wouhou. Monte, on monte. Ouais, on monte. Je tenis. 2150 mètres. Hop. Le glacier. On monte. Alors. Là-bas, on voit le début de la barre. Et c'est Serac. Là-bas, la roche Forio. Et un refuge, mais on va pas le voir la caméra. Là-bas. Bon, on est un peu sorti du chemin là, on est passé par là, on n'est pas mort hein. Et voilà, on a rejoint, il y a le carême du chemin, il y a les traces là-haut, des gens qu'on a vus tout à l'heure. Okay. C'est bon, on est bien. Vu que en fait l'ancien chemin le plus simple, il est sous la neige là, vu qu'il a neigé. Donc il y a un deuxième chemin là, bah on est dessus. Voilà. Presque à 2900 mètres. C'est chaud, faut pas tomber là. Putain! On a 3000 mètres. Ok, récap. On a fini la montée, la galère. On a fait tout ça là, dans la roche. Grosse merde, quelle horreur. Là voilà, on est là. Et du coup là, comme le refuge est tout là-bas, on va descendre sur le glacier et on va continuer avec les plantes. Ah ça descend. Je te suis. C'est l'apocalypse. On a mis les crampons. Marcher jusqu'au refuge. Et ce sera fini. Bon, là on va. Oh, oh punaise. Oh, oh. Oh putain! On va bouger parce que là ça tombe là. Ouais, c'est violent. Oh la vache! Oh la vache! Oh! On va aller tomber là, hein. Putain la vache! Beaucoup de crevasses. En plein milieu du grand glacier blanc. Là ça s'effondre, bah tu tombes dedans, t'es mort. Pas déconner, on a les crampons là, voilà, et puis oh putain les crevasses. Ouh bon. Allez, facile 20 mètres là, 10-20 mètres, tu meurs direct. Fini. Crevasse, fais gaffe de pas tomber là. Hop, enfin, refuge des crins.
3175 mètres. La glace. Sous ses pieds, c'est de la glace. Je vais mettre un thermomètre. La neige. Waouh. Chocolat chaud, symbole. Pas cher, il est très grand. On est en train de préparer la fondue. Et pour toi, il fait super froid. Ouais. Putain, la vue là qu'on a. Oh là 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 là. Il a la buée. Fondue. Pic. La fondue. On a bien mérité. Oui. Et tout seul. Silence. Personne. Ça va être l'heure d'aller se coucher. C'est bon. On est bien. On est bien. Regarde quand on parle. Je boum. Oui. Mais wesh. Il est où comme ça? Mais il descend, mais il va aller à l'autre fût, je pense. Chocolat chaud encore. La barre. Adios. Nice to meet you. Adios. Adios. Chaussettes. Ça marche pas, c'est humide. Bon, ça va encore. Ouais, bon. On est seul. Voilà. Ils sont partis. Les... Par contre, dans le refuge, il fait assez froid. 9 degrés. Il y a le poêle qui est éteint après. Mais... Hop. On va sortir pour faire quelques photos de dehors. J'ai la sonnerie du téléphone en tête. Bon, allez. Let's go, on y va. Hop, on doit descendre tout ça. Oh. Le chemin qui zigzague. C'est reparti. Thank you.
on s'équipe. La crevasse. Teste les piolets. Mon test, ça marche bien, ouais. Ça démarche aussi. Ouais. La barre là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Que filo! Que pire! Alors? C'est bon! Que filos! Des bons que filos! Oui. Manger, là on recharge la batterie. Là où il y a toujours le terrain, ça fait que tomber là, sans cesse. Là où il y a des chasseurs alpins qui arrivent. Voilà, ça tombe avec des cailloux. Que tomber. Hop. Une mouille sur le glacier, personne n'a fait ça. Ouais, c'est le premier. Et toi par contre, tu ouvres le glacier. On descend. Mon poil vous. On dit au revoir à la barre des écrins. Il y a des grosses. Crevasses. Ouais, crevasses. Là, il y a des mecs. Oh! On a du temps à perdre. Regardez-moi ça! Le pelvoulien. Bon. Non, ça va pas durer longtemps. Monsieur Pelvoutier. Bon, on est sorti du glacier. Et le refuge est pas loin, juste là. Marmotte. On est en train de les prendre en photo. Hop. Petit timelapse. Ouais. La pointe là-bas. Ouais. Allez, on sort du refuge du glacier blanc. S'acheter un saucisson. Oh, tous les sacs. Les chasseurs alpins. Hop. On va descendre. Là-bas, on va se mettre là-bas. Un petit bivouac. Ouais. Bon, bah voilà. La tente. Au bord du lac Tekay. Là-bas, il y a l'ancien refuge.
cette vue. L'ancien refuge. Il y a un poêle, les lits, tout ce qu'il faut pour la nuit. Il y a plein de trucs rouillés là. Il y en a encore. C'est de l'époque ça. Voilà, on a fait une photo. Hop là, ça ça dégage. Ça mange du petit saucisson. Voilà, on va le couper. Avec la vue sur le Pellevoux couvert de nuages. Et glacis blanc là-bas avec le refuge. Voilà. On se pose. Hein. Soupe aux oignons. On appelle les Ch'te-Best. Dernière soirée. Voilà, 21h30, on va se coucher. Allez. Réveil. Il a fait moins 2h30. Et là-bas, il y a un chamois. Il mange. On va prendre une photo. Là, le Pellevoux. Ah. Oh, la couleur de Pellevoux. On va contre de la glace. Aïe, de partout. Aïe. Le froid qui mord. Ouais. Ouh. Tout est gelé. Même les chaussettes qu'on avait mises à sécher, c'est gelé. Séché. Ah, la lumière. Là, c'est beau, là. Tout est glacé. Bon, la température descend encore, là. Il y a le soleil qui arrive, ça va. Ça va réchauffer. On plie. Allez, on rentre. On rentre dans la vallée de Madame Karl. Elle froide là-bas. On est bientôt à elle froide. Le quart des écrins, c'est fini. On descend à elle froide. Voilà, elle froide, on arrive.